Ouais bah bonsoir YouTube alors hein. Bonsoir YouTube. Voilà, bah on est prêt en fait, à faire la bagarre. Bonne info pour toi aussi. Dis-moi tout. Constantine 2 est vraiment annoncé. Constantine 2. Avec Keanu Reeves et surtout le... Ah, j'ai jamais le nom de l'acteur. L'acteur de Lucifer. Ils ont gardé l'acteur de Lucifer. Je connais pas la série Lucifer, désolé. Non, l'acteur de Lucifer dans Constantine. Je me rappelle même plus du film. Oh, bah je t'invite à le remater. Let's go. Alors. Attends, Constantine. Constantine. Tu sais, là où il à la fin, il sectionne... Enfin, ça fait 20 ans, ça fait plus de 15 ans que le film est sorti. Si vous voulez pas de spoil, coupez la vidéo là et allez le mater. C'est un excellent film. Mais tu sais, il a... Au début, c'est quand Keanu Reeves, il fume. Ouais, il fume. Et c'est Satan à la fin, voilà, quoi. Ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais, et bah ils ont gardé cet acteur. Avec la dame avec, qui lui donne la lumière à Frodon Sake. Il joue Gabriel. Ouais. C'est ça. Ok, ouais, c'est bon, j'ai la ref. Oui, j'aime beaucoup ce film. D'accord, ils en font un deux, enfin. Ouais. Putain, décidément, il va arrêter de tourner un jour, Keanu Reeves ou quoi? Ça se passe comment? Je sais pas. En vrai, ça doit être l'acteur américain qui tourne le plus. Pas faux. Bah, déjà, en vrai, j'ai regardé le dernier John Wick. Je suis très content de comment ça finit. C'est vraiment beau. Bah, c'est cool, les John Wick. Cool. Bon, après, ça ressemble vraiment plus à grand chose, quoi. À la fin? Non. Bah, non, mais c'est un peu les films tout court, c'est de la baston, de la baston, de la baston, de la baston. Alors, le mec, il a même plus le temps de prendre une pause clope, quoi. Mais moi, en vrai, tu te dis dans sa peau à combien de combats t'aurais survécu. Et là, tu fais, je crois que j'aurais même pas commencé le film en fait. Même la série, tu serais mort dans le tuto. Je serais mort dans le tuto au niveau de degré de. Bon, allez, on essaie mon plan. Allez, explique à YouTube. YouTube, tu regardes pendant que alors. Comme on était un peu mal placé la dernière fois, on avait décidé, enfin j'ai proposé, de paquer les 10 en bas. Vous pouvez pas voir ce que je montre, mais l'idée y est. Laissez le ping, hein, tu peux ping. Oui, on a paqué tout le monde ici. On a laissé Siliana qui a démontré qu'elle pouvait tanker l'infini ici. Et le but. Et d'enlever leur espèce de... Bah, l'inspiration. Le mouvement augmenté de 50%. Donc... Et de réduire, par la même occasion, par rapport à notre plan précédent, le nombre de fronts. Voilà. Parce que là, 3 fronts, c'était pas possible à gérer. Donc là, on va en avoir 2 au max, devant et sur le côté. Donc c'est largement... En vrai, si, ça s'était géré, c'est juste que comme un con, j'ai laissé mourir le gros alors qu'on était à la fin. Mais bon. Ouais, voilà. Et rester sur cette note-là, moi, ça me paraissait un peu con. Du coup, parce qu'il faut je vais avec Sophia. Tu as très bien joué, j'ai très mal joué. Je vais, avec Sophia, tenter d'exterminer ce sacrifice de sa mère. Enfin, cette fille de sa mère. Wow, fille de sa mère? Je te permets pas de préjuger. Ouais, fille de sa mère. Tu sais pas. Peut-être qu'il est fils de son père. Ok. J'ai payé. J'ai payé un peu plus cher. Fort. Ton plan a coûté cher, je pense, un peu. Mon plan a coûté très très cher pour ma gueule, ouais. Waouh. Ça m'a fait très mal. Oh la vache! Ah ouais, il y avait un bail sombre comme ça ouais, aussi. Les mecs qui sortent de nulle part comme ça pour te casser la gueule. Eh bah. Est-ce que je joue un capitaine? Ouais, il va falloir là. Ok. Je vais quand même me placer un peu mieux, je crois. Ah non. Y a pas de meilleur placement. Ok. Y a pas de bonne ou de mauvaise situation.
Faut vraiment qu'on trouve de nouvelles refs parce que là. Ah, c'est. En même temps, c'est un peu les meilleurs refs. Ouais. Je vais les mettre là-bas en tant qu'à de pouvoir tuer. De pas pouvoir gifler deux mecs par deux mecs, comme ça je m'avance. Et c'est moi qui prends. Je vais le tomber comme j'y suis. Bon, là je tomberai pas plus. C'est déjà pas mal. Face de barre qui, dans tous les scénarios, prend tarif. Tous ouais, les scénarios qui là... existent. Mais là, il va pouvoir être supporté. Est-ce que tu veux le boost de Totorus? J'allais plutôt mettre une zone sur Os de Bar parce qu'ils ont vraiment décidé d'aller lui casser la gueule. En vrai, ton capitaine, à mon avis, il va prendre très cher, hein, si jamais. Mon capitaine? Oui, si jamais t'as envie de courir à travers les rangs, cours à travers les rangs. Cours à travers les rangs. Ouais. Parce que, en fait, si tu te places ici pour avoir un cône sur ces trois-là, je pense que t'es bien. Hein. Après, ouais. Je te laisse voir ton cône, je te laisse voir ton histoire. Tu te permets juste que je fasse ça? Une flèche du destin. Destiné. Donc ce que l'histoire ne dit pas, c'est que le capitaine a dit quelque chose comme Endelhei Legolas. Que Isilène il a pas compris, mais il sait que c'est pour lui maintenant, avec le temps. C'est qui Legolas? comme ça. Endelhei, parce que je sais pas qui c'est non plus. C'est comme ça. Mais avance toi même. Je peux pas, je suis au max là. Ah merde, t'as tout claqué. Ouais. Bah ouais, bah vas-y alors. Putain. Les pires attaques ever. Ah ouais, non mais... C'est tard que je veux le changer, hein. Statistiquement, il me donne il m'en donne de très bons, mais... Alors, par souci de protection... En vrai, de vrai. Non, joue un petit Taurus, comme ça il y a tout le monde qui en bénéficie. Ok. En vrai. Parce que là, sans que tu bouges, il y a tout le monde qui en bénéficie. Presque, sauf les deux persos tout à droite. Oui. Sauf les deux persos tout à droite, on se demande quel est le con qui a pensé à un plan comme ça. Est-ce que j'irais pas soigner des saignements plutôt que de taper des gens? Je pourrais hein, taper des gens, mais... Bah, ouais, tu peux soigner un saignement. Et taper des gens, tu peux faire les deux. C'est vrai. Toujours aussi efficace la triple auto-attaque dès le début. Ah, je peux soigner qu'une seule fois, merde. Mais oui, tu peux soigner qu'une seule fois. Ah, c'est chiant ça, par contre c'est vraiment une idée de con ça. Ouais. Bah, une seule compétence, tu peux utiliser une seule compétence par tour. Oh, sympa le petit saignement. Voilà, ça fait plaisir. Glorieux! Ouais, il est très glorieux. Ça, elle était belle. Celle-là, elle était entre les deux. Ah, bah voilà! Elle était entre les deux yeux. J'ai l'impression que avec les mecs qui ont un bouclier, t'aimes pas trop leur faire des dégâts. Hein. Non, mais tu vois tous les pélos là. Attends, qui joue? Tac, tac. Il y en a un qu'on voit. Ok, les deux sont là-bas. Pélo, ils sont pas dangereux. Du sud, hein, évident, sur 20. Les deux qui jouent, les deux prochains qui jouent sont là-bas, ils servent à rien. Est-ce que je pourrais placer une Siliena juste devant la petite Sophia? Parce que je sens qu'il y en a soit un là, qui va venir essayer de choper Sophia. Ah vas-y hein. Donc je la mets juste en défense ici. Bon, embrouille quelqu'un tant qu'à faire, tape sur un marteau. En vrai j'ai... Ouais ok. Je trouve ça très drôle. Du coup, il sert à rien. Du coup. Ouais, ouais, elle est drôle cette hache. Cette petite hache. Est-ce que tu veux utiliser un lieutenant Will pour venir donner un ordre et soigner un truc ou Je peux faire ça. Que ça se fait ça. Que ça se fait ça, carrément. Sur les deux gros et sur mon Vinland, ça se fait. Ah
Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, ouais. Mon meilleur ami. Tu recules. Sombre fils de pute. Voilà. Je crois qu'il a reculé, mais à mort. Ah bah oui, littéralement. 101. Les 4 attaques sont déjà passées. Putain. Ah bah oui. Ouais, il en aura quand même tué 2. Hein. Enfin, 3. C'est quoi ce combat? Le combat de sourd. Oula. Oula. Os de Barn, ça va? Il a beau être bâti là, je crois qu'il a mal. Hein. Ouais. Je vais le désengager. Le... Non? Bah si, je peux taper 3 mecs. Non? Tu vas te faire... Mais je fais une petite course en fait. Je me désengage en Ah d'accord. Course. D'accord, ouais, ouais. Je fais, okay, hop, un petit pas de zoop comme ça. Parce que je vois qu'au fond là, lui là, il va encore jouer. Il veut jouer. Attends, fais attention. Décale-toi quand même d'un pas... Non, non. Il tape toute personne qui est adjacent à eux. Ah. Ah oui. Donc je vais prendre un coup quand même. Ok. Ouais, voilà. Là, t'es bon. Allez, on distribue des calmez-vous. Voilà, il y en a un qui s'est bien calmé. Et je te dirais... Moi, je peux aller là, tuer celui-là, si tu veux. Ouais, va tuer celui-là, ouais. Ça te va ou... Ou alors je peux aller là, embrouiller celui-là, comme un gros sale. Comme un gros suicidaire, ouais, surtout. Voilà. Et je peux même faire... Ah, presque. Presque. C'était presque ça. Je pouvais atteindre presque Taurus à un mètre près pour le soigner, si je voulais. Parfait. Okay. Parfait. Oui, c'est bien arrêté, lui. Oh, tirailleuse, si elle se place bien, hein, elle peut en faire deux. Hein. Ouais, mais là... Donc elle se passe du côté de Mélanie. Il y a un tacticien qui joue. Que tu ne vois pas. Et que l'on ne voit pas. Qui est, de mémoire, tout au nord, je crois. Ouais. Sinon, je peux toujours aller jouer un Stevie. Ouais. Pour écoper le sang sur Taurus, par exemple. Je pense que c'est bien de faire ça, ouais. Comme ça, voilà. tu rembourses un point. Bah, je génère rien du tout, du coup, on s'est remboursé, mais... Ouais, c'est remboursé. Voilà. Mais au moins, j'aurais soigné le robot au doigt. Ils ont tous joué, je voudrais savoir où elle est. Ouais, tu vois, j'ai bien fait de bouger quand même. Ah, c'était pas dans le brouillard du nord, c'était dans le brouillard du sud. Oh le bâtard! Eh, tu sais qu'il t'aime pas. Hein. Ah ouais. Chaud. Ok. Bon. Est-ce que tu veux que j'embrouille un shield avec mes shields? Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Je vais me placer comme ça. Ouais. Ah bah voilà, oh bah. Regarde, j'en vois plein. Celui que tu veux. J'ai fait mon choix. Ouais. Tu veux le tuer? En vrai, je pourrais économiser du point. Mais ce qui m'arrangerait, c'est de pouvoir... Ouais, mais je vais pas pouvoir. Si je fais pas un crit, je le tue pas, le fantasme. Des grosses. Ou alors, attends. Dommage. Attends, c'est parti. Attends. Essaye de te désengager. Ah, pour essayer de gagner le coup. Putain, mais c'est. Ah, bah si, tu l'as fait. Non, il, ah, s'est... Mais oui, il s'est suicidé grâce au retour de dégâts. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, tu peux potentiellement le taper. Bah, lui, tu sais quoi, je vais te sauver la vie. Ouais, vas-y. Je vais être sûr de te sauver la vie. Donc, je vais là. Et ah, j'embrouille oui, ce vrai, mec-là. Il joue, ce con. Pour pas qu'il joue, parce qu'il t'atteint. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Voilà. Du coup, t'es safe, t'es sauvé. Pour une fois, c'est un bon move. Et puis là, tu peux te faire une petite ligne de deux, là. Moi, je pense qu'il y a une petite ligne qui se dessine ici. Hein.
Ouais, il y a une ligne qui va se dessiner, mais d'abord je vais. Assaut! Et de toute façon, je fais bien d'y aller parce que je pense qu'à un moment donné, Silianea appréciera d'avoir un deuxième tank avec elle. À un moment donné, je pense. Ouais. Wow. Je vais envoyer une mélanine. Je vais envoyer une mélanine aussi. Ah, le salopard. Tu devrais plutôt t'assurer de te débarrasser des deux shields qui sont chez nous. Parce que les deux shields là, ils te butent tous tes archers, tes machins. Hein. En fait, je t'explique pourquoi je joue Mélanine. Elle. Tirailleuse ne peut pas venir ici et faire la zone de 2, en fait. Faudrait que je claque une course et compagnie. Donc Ouais. Ok, donc tu bouges là, Mélanine. je bouge Mélanine. Je vais genre la bouger là. Tac, comme ça. Bah, tu peux aller taper, oui, voilà, un petit lancier. Oui, je vais aller taper un petit lancier. Ah, je tue pas, hein. Et Faut n'oublie pas que qu'il je. faudra bouger impérativement tes archers parce qu'il y en a 4 ou 5 qui vont leur pop dans le cul. Ouais, ça, je m'en souviens de ça. Là, je tue. Et idéalement, si j'ai le déplacement. Oui, je peux aller. Soigner une petite Sophia. En Elle plus. te reste des attaques ou pas? Ouais. Mais entame un couteau, hein. Plus vite on les tue, mieux c'est, hein. Oui, je vais le faire, hein. C'est des attaques à distance, elle. Ah oui, bah oui, comme ça tu vas lancer un couteau. Bah oui, tu vas la soigner, tu vas lancer un couteau. T'es un génie. J'ai surtout l'habitude de les jouer seul. C'est vraiment surtout parce que tu sais que. Oh, j'ouvre ma trousse de soins. Tiens, scalpel, lag dans l'œil de l'autre. Allez, terminé. Oh, tu endors. Ah Un tacticien ou j'essaie d'achever le lieutenant? Bah attends, je vais te le dire, bouge pas. Clique pas, clique pas. Tu peux achever le lieutenant si tu veux. Parce qu'en fait, la phalange ne t'atteint pas. J'ai déjà utilisé? Semble pas l'avoir utilisé, hein, le. Aucune idée. Ouais, je savais bien que je n'avais pas utilisé. Tu devrais te coller au tacticien et à Silena. Ouais, parce que faut quand même éviter qu'elle se prenne un contournement, parce que t'as vu Ouais. ma vie que ça lui a coûté très cher. Ensuite, toi ici. N'oublie pas de te décoller du corps à corps. Oui, après. Non, non, parce que sinon il va te mettre un coup de shield. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui m'y as fait Waouh. penser en plus. Ouais. Je continue de leur pousser. Ouais, vas-y, vas-y, hein. Rapproche-les des tanks. Rapproche-les des tanks. Et puis, recommencez à vous ramener dans la masse là. Hein. Bon, c'était peut-être pas nécessaire de claquer un peu pour ça. Il n'y avait pas d'urgence. Tout le Oh monde avait si. joué, il n'y avait pas d'urgence. Si, le prochain à jouer, c'est quand même lui, hein. Non. Si. Oui, mais enfin bon, on est trois joués avant lui. Hein. Il y en a Pas deux qui dit jouent ça avant en lui. vrai. Je leur pousse encore ou pas? Ouais, vas-y, vas-y, qu'il aille se faire foutre. Hein. Oh, il est bien allé se faire foutre, on le reverra jamais, je crois. Non, 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 perds pas. Ouais, merci. Ce que j'allais te dire, c'est le moment de poser un Zinlen, hein, direct. Ouais. Direct, tu commences ta journée, tu poses un Zinlen. Je mets là-haut? Là-haut, où? Là-haut? Sur eux, là? Ouais. Ouais, si tu veux, comme tu le sens, tu. En mettant. Alors. Parce qu'il y a aussi le bas que tu peux viser. Le bas pour deux. Alors, ça dépend comment t'es placé. Ça dépend comment t'es placé, mais. Tu voudrais que je le mette comme ça? Non, 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 ça, non, surtout pas ça. Au secours. Non, mais si tu te plaçais là, potentiellement, tu pouvais planter une zone comme de là. Lui, forcément, il serait venu ici pour aller taper tes archers. Donc, tu l'as fait. Et t'avais ces trois-là. Ouais. Mais je comprends effectivement l'idée que. Il y a 4 garrots, il y a une zone de 4 à mettre.
je la comprends très bien. Y a pas de problème. Très bonne idée. Ça se passe. Alors, attends. Ah, ah oui, d'ailleurs, n'hésite pas à faire des arrêts, genre tu t'arrêtes ici, vite fait. Histoire de voir s'il y a quelqu'un dans ce brouillard. Ça a pas l'air. Et tu places après comme tu veux. J'ai combien de mouvements encore? Non, non, mais fais pas le fou, fais pas le fou. Il y aura des cacs pour y aller à un moment donné. Hein. Ouais, ouais. Je vais me placer là pour avoir... Ah non, merde, je l'aurais pas... Non, non, mets-toi à bout tendu hein, pour que eux, tu sois sûr qu'ils rentrent dans ta zone. Hein. Ah oui, oh putain, oui, c'est sûr qu'ils rentrent dans ta zone, tous. Oh, ils ont un move? Mais attends, ils ont un move? Mais attends, il a combien le défenseur? Mais oui, c'est pour ça, moi, je... Mouvement 12 pas... Ah putain, ils sont beaux. Hein. Oh, ils sont beaux, leur effet placebo, hein. Et là, lui, le lieutenant, j'ai pas forcément envie de me mettre trop en exposition. Ouais, ouais, non, je comprends. Donc, tu vois, ici, j'étais bien. Ouais, ouais, bah, remets-toi là. Effectivement, j'ai rien dit, j'avais pas vu leur move. Hein. Excuse-moi. Hop, hop, c'est gratos, comme qu'on dit dans le milieu. Et à 24, c'est là. Vraiment gratuit. Hein. Ouais, tu peux même la mettre un peu plus à... Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon, en vrai. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il joue? Un mec qu'on voit pas. Un mec qu'on voit. Ok. T'as donc un gars. Lui, de toute façon, il est tenu en respect. Le tacticien, si tu veux gérer le tacticien. Ouais, ça va même être très facile de le gérer. Parce que ce con n'atteint que tirailleuse. Donc. Je me décale et je pousse celui-là. Là. Mm-hmm. Et puis bah il est géré. Je me prendrai un couteau à distance, mais c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Et paf la pastèque. Oh là. Eh mais 50% de dégâts tankés. Ah, il y a repop, coucou. Bonjour vous. Comment allez-vous? Le seum intersidéral. À un mètre près, je connais ce style. Aïe. Aïe aïe aïe, il va taper. Wow. C'est pas bon ça. Non, Stevie, c'est pas bon ça. Alors j'ai une Mavic un peu centrale, si jamais. J'ai une Mavic qui peut aller partout. T'as une Mavic qui peut peut-être buter un des deux là, en vrai. Hein. Soit ça, soit je peux aller prendre l'aggro sur ce connard et peut-être même le tuer. C'est vrai, vas-y. C'est le prochain à jouer. Ouais, vas-y. Ça n'engage que nous. Bonjour monsieur. Wow, attention, il y a un fantassin ici. Ouais. Il voit un peu flou le mec. Et subitement. Oh, il lui reste 3 PF, c'est un abus. C'est un abus, ça, je reconnais. En fait, ça. En fait t'as utilisé un point pour rien. T'aurais pu te désengager. Ah oui. Il t'aurait retapé. Putain, c'est grave bien vu ça. Ouais. Allez, du coup, j'ai pas de points, merde. Bon, ouais. Je me mets là. Je suis un abruti. Non! Bah oui, c'est ça en fait, c'est qu'après t'esquives. Ils évitent de rentrer dans la zone. Comment je gère trop bien? J'ai trop bien géré. Y'a quelqu'un qui a un pied dans l'eau. Voilà. T'as rien. Y'a un os de barde là. Y'a un os de barde là. Qui a potentiellement les trois. Ouais, les trois. Là, 1, 2, 3. Non, il y a un mec qui se déplace. Ah, je peux en faire un 2. 3. Un 2, mais pas 3, je pense. Hein. 3, ouais. Sachant que les deux ont joué, est-ce que c'est pertinent de jouer bon, après, c'est quelqu'un qui. De toute façon, pour l'instant, tout me gêne. Hein. C'est-à-dire que pour y aller, je peux pas parce que tout le monde est au milieu. Okay. Faut pas que j'aille taper. Bah... Et de toute façon, vaut mieux à ce stade-là prendre un capitaine et aller leur taper dessus avec un capitaine. Mais pareil, le capitaine est bloqué actuellement par un taurus. Voilà. Le défenseur, il a pas encore joué là-haut, hein, je crois, lui, là. Non, il a pas encore joué. Et là, je peux aller te le tenter avec un taurus. Regarde, je viens lui là, je le tape, paf. Comme ça, l'autre il rentre dans mon champ d'action après. Qu'est-ce que t'en penses? Il s'arrête pas à la limite, tu vois. Il vient. Ouais. Ok. On se le fait ou t'as autre chose peut-être que tu veux jouer, bouger Parce que là-dedans, je sais que t'as un gars là-dedans à gérer. Hein. Ouais, je sais et je pense que c'est le fort. Et c'est le prochain à jouer, je pense. C'est le prochain à jouer d'ailleurs. Ouais, c'est le prochain à jouer, mais soit il va aller sur Mavic, soit il va aller sur Siliana. Ouais, ça c'est sûr. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas l'urgence. Donc c'est pas l'urgence. Vas-y, joue Taurus. Allez. Est-ce que tu passerais pas... Attends, on a un point? On a qu'un seul point, ouais. Est-ce que tu passerais pas soigner Stevie?
En vrai, non, parce que Stevie 1, il a déjà joué. Ah, ok, d'accord. Ça serait plus Will, à la limite. Ouais. Mais je préfère les déblayer. Je préfère les déblayer. Vas-y, vas-y, vas-y. Je préfère arriver là, prendre mon coup de hache de base et lui faire... Ah là, ah là. Et déjà, tu vois, le mec est déjà plus souple. Ouais, il est déjà... C'est-à-dire que là, après, si je veux, je peux même me déplacer, taper encore un autre gars. Mais je vais juste le gicler de base. On a 2 points, on est pas mal. Attends, et là, si j'ai le mouvement, j'ai le mouvement. L'injustice, t'as 50% de chance de coup critique. Et mon perso qui en a 70. Ouais. Non, mais pas un seul. Oh, c'est injuste. Et voilà, et là, je peux soigner Will. Ça, c'est bien fait ou pas? C'est très très bien. Et 2 points glorieux. De plus parce que ultra glorieux. Ouais, on a gagné 2 points en plus avec ça. Wow, Sylviana vient de perdre 16 PV. 16 d'armure. Ouais, 16 d'armure. Oui, c'est pas des points de vie, c'est de l'armure. Ça se répare, quoi. Prochain à jouer, c'est lui. Est-ce que un os de barde peut pas venir là et taper les deux? En vrai. Déjà, os de barde, je crois pas qu'il arrive là. Hein. Là? Ah, il atta... Et non, il le touchera jamais. En fait, le maximum que j'arrive, c'est là. Quoi? Bah, je sais pas. Ouais, chaud. Ah oui, mais t'as le... Oh, le rocher qui casse les couilles. Ok. Bah oui. Il y a tout le gros rocher qui casse les couilles. Non, par contre, je peux jouer un Will. Ouais, un Will. Qui soigne d'ailleurs un Stevie. Ouais. Ça en fait d'une pierre deux coups. Mm-hmm. Je viens là. Je pousse ce sale Tarba. Ouais, tu mets une zone. Et je peux, lui... Et je peux le zoner en plus. J'avoue, vas-y. Je peux le zoner, lui et son pote. Vas-y. Allez. Ah, ils sont efficaces en attaque d'opportunité. Hein. Mmh. Bon, 154, on est tous efficaces en attaque d'opportunité. Hein. Des fois, Zinlen, ça dépend. Zinlen, des fois, il fait 400 dégâts, puis des fois, il en fait 20. Ouais, c'est... c'est un peu le problème. C'est la régularité. La régularité du gars fait un peu peur. Est-ce que... Oui, je viens de dire bite. Est-ce que tu veux jouer un de tes bonhommes là sur le pack de gauche? Parce que je crois qu'il n'y a plus que le pack de... Ah non, non, oui, mais ça va taper sur ma vie, que c'est pas un problème. Il y a une phalange qu'on voit pas? Ah si. Ouais. Si, si. Si, si, mais ça va taper aussi sur ma vie. C'est pas un problème. Le fantassin là. Il y a un fantassin qu'on ne voit pas. Il y a un défenseur qu'on voit. Donc lui va rentrer dans la zone. Bon, les derniers qu'on voit pas, de toute façon, ils sont dans le nord. C'est pas trop un problème. Donc je suis en train de me dire, peut-être sécure un des dénales par exemple. Je peux bouger, juste tirer une flèche, tuer un connard, j'en sais rien. Faire des trucs rigolos. Ou est-ce que tu veux patienter ou pas? En vrai, je vais tuer le défenseur qu'il y a là. Ok. Et remonter vers les... remonter. Légèrement. J'ai pas le kill, mais en vrai... Est-ce que tu pourrais, à la limite, courir pour traverser les rangs et soigner os de barde? Qui est pas si frais que ça. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est faisable. Mais est-ce que ça te va aussi? Est-ce qu'il faudrait pas que tu t'exposes trop non plus au marteau? Je crois qu'il a pas encore joué en haut. Le marteau, si, il a déjà joué. Le lieutenant, il a joué, lui? Il me semble qu'il a joué. Hein. Bon, de toute façon, il y aura As the Bard au pire pour le taper, hein, s'il faut. Ouais. En vrai, c'est pas très gênant. Alors, je vais garder du déplacement. Oui. Quoi? D'accord. Okay. Non, rien. Ça m'a affiché que je pouvais venir là, mais ça m'a mis là. Ah! Sad. Et pour éviter de m'exposer trop, voilà, je vais faire une ligne comme ça. Boum, ça s'engage. Alors ça se fait des amours de dégâts dans tous les sens, voilà, je prends des dégâts, tu prends des dégâts, voilà. Les gens et l'amour, quoi. Le capitaine. Oh putain, là, il y avait un cercle à faire avec le capitaine. Mais t'as tué un gars ou t'as tué deux gars? Il y a un gars, là? Ouais, il y a un gars, là. Ah, ok, c'est ce que je me disais, tiens, il y a une embrouille, là. T'es bah oui, un peu chiant. Putain, le gars, il essaye de m'embrouiller. Hop là, petit coup d'épée, là, vite fait, là. Slam! Wouah, tu lui as flattené la gueule.
Les flammes de doudoune. Voilà. 2 points générés. Ça, ah ouais, c'est cool. On est énervé ici. Hein. 52. Wow, déstabilisation. T'as plus de garde. Ah, par garde. Contre, ça c'est. Là, ça va commencer à fondre. Hein. Ok. T'as des choses peut-être à jouer. Parce que moi, il me reste vraiment plus que le gros. Hein, là. Il reste un gros, c'est tout. J'ai tous les couteliers. Ah, il y a peut-être moyen de se régaler là. J'ai Siliena. Peut-être jouer peut-être. D'abord peut-être Siliena, non? Est-ce qu'elle va pouvoir aider à tomber une garde ou ce genre de choses? Non, malheureusement elle a pas de truc comme ça. Elle. Ok. Le truc qu'elle a, elle pourrait mettre la riposte pour 2 points, malheureusement, à toutes les unités qui sont engagées à l'heure actuelle. Mais c'est pas intéressant pour le moment. Donc non, elle a juste une attaque de base, elle. Donc okay. Si ça va entamer de la garde, hein. Ouais, vraiment les dégâts, par contre. Elle est aux fraises hein, sur les dégâts. Bon, on l'a haché niveau 8. Après, elle est en retard sur le niveau, elle aussi. Hein, donc. Bah, du coup, c'est la plus basse niveau. Ouais, ouais. Ouais. Bah, moi, je serais toi, je prendrais tes couteliers pour te débarrasser des couteliers. Ouais. Parce que c'est eux qui te font ultra mal. J'irai même me placer dans son bac pour qu'éventuellement le dernier couteau aille sur l'autre connard là. Ouais, mais il faudrait que je me place. Ouais, il le lancera sur le bouclier, je le connais. Je connais ça. Vas-y, vas-y ouais. Passe-toi. Hein. Faudrait que je sois là. Hop. Normalement, au plus près, c'est là. Mais ça va aller sur le bouclier. Ouais, ça va sur le bouclier. Là, ils sont équidistants. Très belle attaque. Et bah, je vais même en profiter pour aller soigner une Sophia. Ou pas alors. Non, pas déconnant. Soignons ça. C'est qui le dernier fantassin qui doit jouer là? Ah oui, c'est l'autre dans le fond là qui va se prendre une flèche. Parfait. Et renforcez-vous, t'aurais dû la placer si t'allais te rester du mouvement côté de Siliana. J'en avais plus. J'en avais plus. 105 seulement. Triste. T'es capable de tellement mieux. Je te dis, tu veux pas taper les gens. Tu veux jouer tes couteaux? Vas-y. Ouais. Joue du couteau. Est-ce que c'est pas mieux pour toi d'aller tuer éventuellement un lancier si c'est plus simple? Je demande, hein, je le sais pas. En fait, le problème, c'est que je m'engage et là... ouais, c'est pas bon. C'est pas okay. Bon du tout de m'engager. Okay. 187. C'est acceptable, hein, 187. Hein. Et là, je le tue. Je tue le fantassin. Oh, elle est efficace. Efficace, la couillette, hein. La toute première couillette en plus. Je peux utiliser les 2 points restants pour aller tabasser celui-là. Mais ça revient à m'exposer. Mais je le descendrai quand même pas mal. Je suis en train de réfléchir parce qu'il reste encore le gros. Je suis en train de réfléchir au niveau de puissance de pesseux du gros. Mais je crois que le gros va rien faire. Le problème, c'est que le gros ne va rien faire. Si, je vais l'engager quand même. Hein. Je vais aller taper sur un con, hein. Je vais aller l'engager quand même. Faut aller taper celui-là. Ouais, c'est ça. Mais je vais... Tant pis s'il reste pas de points. Je m'engagerai juste de base. Ok. Je resterai pas là, hein. Je te le dis tout de suite. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a des mecs qui vont apparaître dans le dos. Ouais, c'est ça, il y a encore des teams qui vont apparaître. Je l'ai bien descendu, en vrai. Ah, bien comme il fallait même. Il était tout neuf, tu lui as rayé la carrosserie. Pas que rayé, hein. Ah, cabossé même. Enfin, c'est. Perforé. Je vais pas trop surexpose le gros. Non. Il est pas bien le gros. Un point, et puis bah, faites un gros attaque, hein. Ok, c'est accepté. Ça vous va, ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous communique?
T'exposes peut-être pas tant que ça, reste derrière ton lancier en vrai. Je vais exposer un petit peu. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Paf! Je vais paquer l'amitié. Le pouvoir de l'amitié ancestrale! Ah ouais? A été paqué. Ouah, wow, il y a du monde qui a. Attends. Alors qu'est-ce qu'il joue personne... là? Il y a personne qui est apparu à droite. Il y a deux fantassins. Il y a le fantassin qui joue là tout en haut. Il atteint ton couteau. Lequel? Bah, Mélanine. Ouais, il atteint Mélanine. Ensuite, on a un tacticien qu'on ne voit pas dans le brouillard de l'obscurité. Merde. Comment ça, c'est bon? Faudrait que tu me donnes un point. Ouais, je te donne un point. On est deux à jouer avant lui. Ok. Comme ça, un point. Bah, et attends, Edena, je te donne ça, bouge pas, hein, je te donne ça tout de suite. Voilà, t'as un point. Merci. Je vais avancer un petit Edenal et le faire reculer. Oh, il y en a un qui est loin. Hop. Ouais. Ouais. Je fais reculer, mouvement divisé par deux, tu te prends à 140. Et par contre, je terminerai pas à côté de quelqu'un. Mais ah, dommage, putain. Alors ça, par contre, c'est un drame. Ça, c'est un drame, ouais, je sais. Ça, mais c'est au moins... un drame. Au moins, c'est safe, de ce côté-là. J'adore les voir slider. Et le dernier... ouais. Bon, ceux-là, on les prendra sur le cul le prochain tour. Alors, les prochains, c'est ceux qui affrontent le capitaine. Ouais... Ah ouais, mais du coup, je sais même pas s'il y en a dans le brouillard là au milieu du coup. Non, on sait pas. Il y en a combien de cachets là? Il faut qu'on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais plus si je l'ai compté ce connard. Ah merde, je sais plus si je l'ai compté. Flûte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Il y en a 3 qui sont cachés dans un brouillard. Ouais. Alors, je peux te proposer un truc rigolo. C'est que 2. Mais il y a une tirailleuse qui vient se mettre à peu près ici. Et je pense avoir les deux là, en ligne. Ah ouais, vas-y, carrément. Ah bah, je peux pas. Mais parce qu'il faut que tu cours à travers le bloc. Là, je suis bloqué. Et... ça t'oblige donc, à courir après le tas de gens. Ça sert à rien. Est-ce que tu veux... Je vais dégager mon capitaine, je pense. Bah, vas-y. Parce que le tacticien, il atteint ta tirailleuse. Ouais, mais il va taper le capitaine. Ah, le lancier, il atteint personne. Ah, ouais, il va sûrement taper le capitaine. Mais du coup, ça permettra à mon capitaine de s'engager. Ok, vas-y. De nouveau. Donc, je vais juste faire une attaque de base là-dessus. Oh, bah, je vais peut-être devoir faire plus qu'une attaque de base dessus, non? Bah, t'as rien. Enfin, voilà, c'est ça. si, j'ai toujours quelque chose sous le coude. Là, le capitaine, flamme de doudoune, tout ça, tu vois. Franchement, c'est débile ce perso. Je viens ici, hop, je renforce le pack. Allez, ça c'est mort, on n'en parle plus. Ah, fait un point. Il va falloir qu'on trouve un point. Je vais donc démobiliser un lieutenant pour trouver un point supplémentaire. Ah, attends. On peut aller chercher un point si tu veux. Une Sophia qui vient tuer un fantassin. Ah, oui, vas-y, si tu veux. Il y a une Sophia qui vient tuer un fantassin. Hop. Trop bonne idée. Et j'ai un deuxième point. Et je reste paqué. Peut-être pas, non. Je vais aller me mettre là, en vrai, un peu plus haut. Je sais pas s'il y a des gens là, hein, mais fais-toi aussi, hein. Ouais, t'as beaucoup de moves ou pas? Regarde ce que je fais. Ah, tu peux faire que ça? Bah, ouais. Viens de coller au contact de moi, hein. Y'a pas mieux, hein. Ouais. Parce que moi, je pourrais te soigner si jamais. Ok, c'est en haut. Et l'autre? Ah non, c'est déjà l'autre. Ouais, c'est déjà l'autre. Alors. C'est pas mal. T'as deux points. Tu peux zoner. Je zone où? Là-haut? Il y en a deux qui jouent. Moi je me dis qu'ils sont encore. Ouais, c'est ça, ils sont encore pas mal à jouer ici. Cette fois-ci, n'hésite pas à te les prendre en zone. Hein. Ouais, non, vas-y, place-toi comme ça me paraît bien. Ouais, non, c'est juste pour venir mettre une petite flèche gratos sur un des deux là. Oh, le lancer. Idéalement, je voudrais lui, mais. Ben voilà. Et là, comme ça, parfait. C'est bien là. Impeccable. Ouais. Lui, il joue quand?
Là, le lieutenant, tu sais s'il a joué ou pas? Je sais plus. Je sais plus, mais je crois que oui, puisqu'il n'y avait pas de mec ici à la base. Donc il a dû forcément jouer. Oui, oui, oui. Est-ce que je démobilise une Siliaena pour venir l'engager lui, bien qu'il n'ait pas joué, et comme ça, ça vient sur Siliaena et pas sur, sur les deux là, sur Will et les... Ah, eux deux là, tu veux dire? Mais ouais. ça vient de jouer, hein. Ça vient de jouer, ok. Bon, je crois, hein, je crois que ça a joué tout ça. Ouais, enfin, ça le tacticien était pas là, non? Non, je pense pas. En fait, ça avec les abus qui soient là, pour moi, il démarre dans le brouillard, les gars. Hein. Ouais, je pense aussi. Ça me paraît très abuse. Non, ce serait bien que tu présentes les fesses de celui-là à Mélanine, à la limite. Ouais, bah, je vais faire ça. Ah, triste. De quoi? Tu peux pas? T'as pas assez de move? Bah, non, elle est un peu lente. Ouais, idéalement, pour lui présenter les faits, là je pourrais pas. Non, donc, non il faut tu mets soit de là. Face, soit là, je sais pas après ce que tu peux faire, mais. Non, je peux faire que ouais. Ça. Ouais, c'est trop bien. On y va de face! Les dégâts sont vraiment ridicules. Mais bon, ça génère un point gratos. Ah, c'est un tank, hein. C'est pas fait pour faire des dégâts. Hein. Ça, c'est fait pour faire des dégâts, mais ça n'en fait pas tout le temps. Par contre, là, le petit 235 TTC. Ah! Là, il y a potentiellement un truc destin. Ici à faire. Ah. Ah, je prends un destin là. Attends, non, là. Là. Ouais, ouais, là, parce là, que là. J'allais dire, il y a un lancier qui joue. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire un autre destin. Encore plus drôle. Jouer à destin pour changer de vie. De merde. Par contre, 35, hein, l'autre il a rien pris sur son bouclier. Non. Il t'a regardé, il a fait c'est quoi ce truc? J'ai une deuxième flèche. Est-ce que. Alors déjà, tu te colles contre quelqu'un. Oui, oui, non, mais. Tu utilises ta deuxième flèche. Je vais me coller là, mais. Honnêtement, je pense pas l'utiliser. Parce qu'on a encore deux pélos à gérer en bas et je. Attends, quoique. Non, il y en a. Non, non en a vrai, t'as combien de moves là? J'ai de quoi aller là ou là. Et enfin, je pensais plus à droite pour aller tirer sur les deux cons qui sont là-haut. Ouais, ouais. On va tirer sur ça. Ouais, c'est faisable. Ouais, moi je pense qu'il faut les entamer. Hein. Ok. Parce que là, les deux qui sont dans le cercle, je te laisse deviner qu'il y a un gros qui va aller leur taper dessus, ils n'existeront plus. Hein. J'entame le lieutenant, c'est le plus emmerdant à mettre des saignements et ça tape en zone. Ouais, je sais pas si c'est le plus emmerdant. Le tacticien, il one-shot tes gars quand même. C'est une autre couche de chantise, quoi. C'est où le prochain tacticien qui joue? Tout en bas. C'est celui-là. C'est celui normalement, là-bas. Il atteint le capitaine. Tout va bien. Tout va bien, il n'atteint que le capitaine. Ouais. Donc. Qu'il ne peut atteindre que le Mordor. Et le prochain après lui, c'est un lieutenant que l'on ne voit pas. Et après, ce sera la phalange. Alors, t'as encore des trucs à jouer, toi? Oui, oui, j'ai encore du stock. J'ai encore un peu de stock. J'ai encore un peu de stock, coup de stock. J'ai. Attends, dans mes gars, j'ai qui? Le capitaine, il a déjà joué. Stevie, on s'est déjà joué. J'ai Taurus. J'ai Os de Bard. Ah bah, Os de Bard, il a deux personnes là. Et. J'ai Siliaena. Pas Siliaena, excuse-moi, Mavig. Mavig. Mais attends. Os de Bard. Attends, du coup, avec Mavig, je peux aller voir là-dedans s'il y a le dernier. Ouais, pas faux. Mais attends. J'ai un mouvement. Le tacticien, on sait où il est. On sait où il est. Par contre, est-ce qu'un os de Bard veut pas venir s'exposer, taper les deux là et se barrer derrière? Parce que les deux là, toi t'ignores l'armure et t'ignores la garde et puis bah tu les butes en fait les deux. Ça, je peux buter ces deux là ou ces deux là, hein, mais oui, y'a pas de. Je pense que ces deux là tombent plus facilement. Et les deux petites tombent plus facilement. Ouais, carrément, tu les butes. Oui, ça tombe. Voilà, donc ça fait déjà deux de moins. Je me suis engagé contre rien du tout. Je vais m'engager, moi. Engagez-moi, engagez-vous. Non, c'est... Oui, c'est ça. On comprend pas très bien, c'est pas très clair.
Allez là, ça va tenter un capitaine. Oh, allez, attention. Ça crame. Oh, vas-y, mets-moi des flammes. Recouvre-moi le corps de flammes. Vous faites peur. Hein? Pourquoi j'ai pas de riposte? Ah, à cause de la confuse. Ouais, c'est chiant. Ah, toutes mes confuses, hein. Lequel? Oui, mais comme il vient de jouer, je pensais que tu voulais aller regarder avec ma vigue s'il y avait pas quelqu'un dans le brouillard. En fait, là. Il reste des gens là qui jouent qu'on sait pas qui. Enfin, un gars, visiblement, on sait pas où il est. Ouais. Je peux effectivement aller voir s'il y a un danger immédiat pour toi. Ça a pas l'air d'être le cas. Bah, donc je vais te présenter. Il est là. Mais du coup, c'est moi le plus proche, donc il viendra pas me chercher. Ouais. Je vais quand même engrainer celui-là. Comme ça, je suis sûr qu'il t'emmerdera pas. Je fais pas de crit. Non, t'as pas de... T'as 75 de force, le type en face. C'est un... Il est aguerri, il a 20% de force supplémentaire. Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller plutôt taper du coup l'autre connard qui est ici? Si, je pense que si, carrément. Attends, t'as combien de force? 65. Je vais peut-être aller taper celui-là d'abord. Ouais, vas-y. Mais non, même pas, je lui fais rien. Mais j'ai le dégoût en moi. Ah, par contre, ça me va. Du coup, regarde. D'une pierre, 12 coups de midi. Comme on dit dans le milieu. Tu te redéplaces pour aller le voir, lui? Disons que je vais le tenter. Je vais lui faire coucou, je suis là, je peux pas aller plus loin. Ah, t'as pas une course? Bah, j'ai déjà beaucoup cavalé, hein. Bah, non, je vais pas faire une course, sinon je vais manger le dernier point pour pas pouvoir m'engager. C'est un peu inutile. Celui-là en bas, il faut. Je vais tenter un truc. Je vais tenter de le buter ou de lui mettre un maximum de dégâts et je vais terminer à son corps à corps. Alors c'est pas lui qui joue tout de suite, est-ce que tu veux d'abord que je joue un lieutenant, ce qui va te donner un point en plus? Oui, c'est pas faux, vas-y. Ouais. Parce que j'ai Will qui a pas encore joué. Will qui pourrait par exemple aller filer un petit coup de main par là en disant excusez-moi, est-ce qu'on vous a déjà dit tu recules? Ah, j'aurais pas tapé celui-là. Moi si, parce qu'en fait je préfère amocher les deux, parce que je me dis que le capitaine ou le gros, n'importe lequel des deux les termine. Ok. Là, n'importe lequel des deux les termine. Mm. Donc je les ai baissés tous les deux. Bon. Bah, putain, et puis j'ai encore ton russe après. Moi je vais tenter de buter ce truc là, et au pire si je le bute pas, bah... Sinon, ah oui, parce que ouais, le problème c'est que là il va forcément être tenté par Sophia. Hein. Ouais. La distance à laquelle on est. Tu connais par les 1000 couteaux? 1001 couteaux. Les 1001 couteaux. Bon, elle est là, elle est peinard, je vais la laisser là. Glorieux. Ouais. Elles sont glorieuses. Oh, les deux coutelières, elles sont très lourdes. Ce qui me fait marrer, c'est que je suis en train de me dire, en fait, le poids de la nourriture, c'est pas la nourriture qui pèse lourd. C'est les couteaux que t'es obligé d'acquérir avec la nourriture, que t'es obligé de stocker avec, ils disparaissent beaucoup trop vite, les couteaux. Il nous reste un Totorus. Un Totorus, ça peut aller se mettre par là, taper les deux, ou se mettre par là, je fais ce connard, ou aller boucaquer lui. En vrai, je fais ce connard là, hein. Ça fait des dégâts de moins, et on casse pas trop la formation. Taurus, on disait vraiment qu'il nous était mauvais. Maintenant, très motivé. Il y a quelques temps, on disait que Taurus, il était mauvais. Hein. Ouais. Mais en vrai, il est pas ouf. Hein. Je m'engage avec ça. Comme ça, je lui mets un effet négatif. Ouais. Voilà. Coup de hache de base. Ouais. Je lui fais rien. Dommage. Et on peut le heurter un coup, si on veut. Et on lui tombe toute son armure. Et un peu plus. On l'a bien heurté, on n'a pas fait semblant. Alors, ils sont où vos renforts maintenant? Un nouveau round commence. Il y en a encore quand même deux là-haut. Alors, il y a un défenseur tout en haut qui joue. Il n'atteint personne. Ensuite. Les deux défenseurs n'atteignent personne. Hein. J'ai envie de vérifier. Oh, est-ce que ce serait pas le moment? Si, voilà. Vas-y, envoie ton As de Barbe. Non, j'envoie pas As de Barbe, je le garde au cas où c'est de là Spacrel, hein, les deux du nord là. Ou Spack rêve genre par là, tu vois. Si Spack par là, je peux t'envoyer Os de Bard qui va taper dedans. Alors que j'ai un capitaine sous le coude, là, comme ça, là, tu vois. Ouais. Fais gaffe de pas te... Oh bah vas-y, je suis, vas-y, fais... Le capitaine, hein. J'avais oublié qu'il pouvait faire ça. C'est trop drôle. Faire des tas de trucs rigolos.
C'est pas la peine d'aller dans la flamme, la confusion, ça monte. C'est pas grave, c'est rigolo quand même. Ok. Ça va avec le lore du perso. Flamme doudoune. Non, là, c'est pied, là, c'est pied de gondole, c'est tu recules, connard. Je me mets dans le plus de flammes. Douche dans les flammes de l'enfer. Un peu effrayant, le capitaine. Ouais, je suis pas spécialement sûr qu'il se pack les deux pélos. Qu'est-ce qu'on a qui joue après? C'est le fantassin qui est là, on s'en fout pour l'instant. Avec un Zinlen, avec un Taurus de base. Avec quoi? Avec un Zinlen, je peux t'assurer le kill sur celui-là. Bah attends, dans ce cas-là, je lui mets d'abord un coup avec Taurus, parce qu'en vrai, j'ai mon coup de base avec Toto, non? Tu vas le tuer. Non, je le laisse à 11. Je le mets 70 à 87, il reste à 11 PV. Toi qui vois. On n'est pas à une vache près. Alors vraiment, c'est la première chose qui m'est arrivée en tête, c'est. En vrai, on n'est pas une vache près. En vrai, je vous centralise Taurus par ici. Ça me dégoûte vraiment que ton perso mette autant de critiques alors que j'en ai un qui est monté spécialement sur le critique mais n'en met pas. Je pense que le. En fait, moi, c'est comme le gros là quand il mettait. Je vois qu'il y a un truc qu'ils ont réparé dans le jeu. Rappelle-toi quand lui tapait au marteau. Ouais. Après, tous les coups qu'il mettait étaient systématiquement des critiques. C'est vrai. Parce qu'en fait, le jeu devait calculer que mon coup où je touche 3 gars n'est qu'un seul coup, sauf que statistiquement, ça me faisait monter le pourcentage de chance de toucher. Parce qu'en fait, ouais. Du coup, je touchais 3 gars, même si c'était qu'un seul coup, et vu que j'avais pas déclenché le critique, ça faisait monter le critique. Ce qui faisait qu'après, les deux coups qui suivaient, c'était tout le temps des crits. C'est vrai. Ce qui fait que je redescende ce compteur. Voilà, et je pense que, en fait, moi, ce qui joue au pari en ma faveur avec Taurus, c'est que Taurus, il met 3 coups, donc il y a quand même une grande chance qu'il sorte un crit, puis un 4ème, puis éventuellement un 5ème avec leur tort. Le problème de Zinlen, c'est que son compteur revient à 0, je pense, à chaque ennemi. Son compteur revient à 0. Ouais. Je pense que c'est ce qui te met dans l'os. C'est une, c'est une blague pour le barde. Oui, vas-y, mais vas-y quoi, vas-y qui fait quoi? Je vais jouer une Sylliana. Vas-y, hein. Paf. 38. C'est ouf, ça. On a jamais vu ça. Tu me dis si jamais à un moment donné tu veux que je joue des lieutenants, des machins, des bignous. Je voudrais que lui joue comme ça, après on est peinard en fait. Pour l'instant c'est donc, pas le cas. Est-ce que tu veux que je joue un lieutenant? Ou un mec? Au hasard. Je viens jouer. Je mets un petit coup sur lui là, et hop, je me remets là et je te rends un point quoi. Vas-y. Allez. Bah d'ailleurs je bouge même pas. Hein. Je joue juste là en fait. Contre l'arbre, monsieur. Voilà. Vos papiers. Mais c'est nous la police. Tes papiers, je te dis. J'ai un laissé passer moi, hein. Maintenant. J'ai un laissé passer. Je suis quelqu'un, ok. Je vais le laisser taper, hein. Ah, tu veux un os de barde? Oui, remarque, ils sont paqués. Il était là pour ça, hein. Oui, c'est c'était vrai, un peu son destin, hein. J'avais dit, si jamais il y a un pack, je peux venir. Je peux faire ça. Je peux pas en remettre une comme ça, puis pourquoi pas celle-là aussi, quoi. Ouais, ils sont déjà un peu moins nombreux. Et si tu veux, je peux même aller le boucaquer. Vas-y. Je le boucaque. Oui. Je vais prendre des coups, mais bon. Pas sûr. Boucaque. J'en doutais. Il m'a fait mal. Le monsieur, il m'a fait mal quand il est tombé par terre, il m'a mis un coup de pied. J'ai eu super mal. Et attends, le lien de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Ouais. Voilà. Il est où le dernier? Ah, attends, je peux aller te le pousser encore avec un lancier. Comme ça, t'auras encore plus de points. Non. Vos papiers, monsieur. Contre l'arme, monsieur, vos papiers. Si tu voulais aller l'achever. Je pense qu'il est gratuit. Ah ouais, là, plus de papiers. Ah ouais, alors vraiment, c'est les papiers. Le pauvre, il est acculé. Hein. Parce que si on continue comme ça, il est juste enculé. Hein. Ah mais abattu. Ah vas-y Zinlen, une flèche de Zinlen aussi. L'abattage. Voilà, c'est fusillé quoi. En 407. Et il avait pas un point de vie en plus pour une fois que t'as sorti un critique sur un mec qui a pas un PV. Ouah, par contre le loot, en fait... la gueule du loot.
Et par contre, je dois dire, le capitaine, il joue au Seigneur des Anneaux, mais Zinlan, il joue à Darkest Dungeon. Hein. C'est à 70% de chance de crit, il crit jamais. Quand il crit, c'est sur un mec qui a un point de vie. Putain, regarde le loot qu'on vient de se taper. Oh là là, eh, c'est pas mal, hein. C'est joli, hein. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le petit casque léger, là. Ah, t'as le chapeau à bec du tacticien. Ouais. Elle est bien, hein. Mais ça veut dire que Ah oui. Tu joues mal tes persos, quoi. C'est juste ça. De quoi ? Bah pour moi, si tu as eu besoin de mettre une attaque d'opportunité quand tu te fais engager, bah c'est que tu joues mal ton perso. Ça veut dire que ton archer est mal placé. Mais c'est un casque léger, c'est pas forcément pour archer, c'est pour coutelier. Ah oui, pour coutelier. Ça veut dire que ça te permet aussi, si tu veux achever quelqu'un, avant de t'engager, si le mec te met un contre-bouclier, zbluh, ouais. Tu lui mets un coup de dague qui suffit. Alors je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. La jaque de capitaine, plus 1 de portée, plus 1 de volonté, plus 2 de mouvement, elle est jolie, hein. Ouais, je l'aime beaucoup, ça. Jolie, hein. Mais moi, j'ai vu ton bouclier, là. La rondage du défenseur, monsieur. Après avoir attaqué, inflige 20% de... Ah bah oui, mais c'est le bouclier plus de mon mur. Ouais. Mon mur. 15 dégâts, oh. Ennemis adjacents. Ah bah, tu vas changer d'arme, tu vas changer de bouclier, mon capitaine. Félicitations, mon capitaine. Faudra le filer à quelqu'un d'autre. On a un home de la garde. C'est du lourd. Pas ouf. Toi, c'est vendu. Sauf si tu veux le désosser, bien sûr. Je te range tes fleurettes. Je vais le désosser parce qu'on a très peu de kits de repas. Et au pire, je rappelle qu'il nous faut aussi du tissu, si jamais. Eh ? Tu le veux pas, le falchion du défenseur ? Le falchion ? Oui, d'ailleurs, c'est un fauchon en français, normalement. Ouais. Inflige 80-100% de dégâts de force à la cible critique. Cette unité gagne riposte. Il y a peut-être un truc, c'est peut-être un destin qui se dessine, il y a peut-être des choses. Par contre, il faut qu'on soigne Sophia. Sophia souffre. Ouais, et Sophia a volonté réduite de beauté. Oh, ça va, c'est pas le pire. Tu veux que j'utilise une popo ? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Bloup. Et je répare des armures. Oh, 20 caisses à outs, hein. On a pris un peu cher. Cool. Hein. Ouais. Tiens, je te remonte une bouteille vide, au passage. Merci. J'ai pris le loot. Bon, on a bien XP comme des gros bâtards. Hein. Campons un coup, hein. Je sais même pas combien on a gagné d'XP. Je sais pas, mais on a bien tapé. Hein. On a bien tapé, hein. Ouais. Ah oui, alors de plus rien prendre parce qu'on a tout débloqué ici. Là, on n'a pas tout débloqué. On peut prendre 100 fois Lillois. Paf. Voilà. Ouais. Ça, c'est incroyable. Je vais désosser des trucs. Ouais. Ouais. Eh, hey, en vrai, est-ce que ça fait pas déjà un épisode à lui tout seul ? Si. Moi j'ai bien l'impression. Ce combat juste, il a duré combien de temps ? 57 minutes de combat. Ah, et si, en fait, le chapeau à bec du tacticien, c'est essentiellement pour un archer. Bah non, parce qu'il faut que tu te fasses engager, c'est quand même nul. Portez un. Plus ouais. Bah oui, mais toi tu lances des couteaux aussi, alors. Ouais, c'est vrai. Eh, tu les lances plus loin. Oh, attends, si je mets tout ça sur mélanine. Bah, elle tire plus loin. Comment ça, tu t'arrêtes au basset que le mec il ait des arcs, mais toi tu lances des dagues. Ouais, c'est vrai. Putain, lance un paquet en plus, hein. Tu lances toute la cuisine mélanine à chaque fois. Ah, mais t'as déjà un plus un de portée. Il va nous falloir un esclave dont la tâche sera juste de ramasser des couteaux. Ah, il se tire une balle au bout de 10 minutes. Mais les balles n'ont pas été inventées. Ils s'en tirent quand même. Ils trouvent le moyen. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas une possibilité dans les classes ou dans les atouts généraux, par exemple, de pouvoir éventuellement récupérer les munitions au sol. Genre les couteaux de lancer, tout ça. Déjà, tu vois, chose que je trouve stupide, c'est que les archers ont des munitions infinies. En fait, ont des munitions infinies, ça déjà. Mais c'est même pas ça le pire. C'est que n'est pas de carquois. Tu sais, les... Qu'une arme à deux mains soit utilisée à deux mains et qu'il n'y ait rien à côté, je suis d'accord. Mais la possibilité de mettre, tu sais, une petite dague de botte ou une connerie du genre, parce qu'un guerrier, il a toujours ça, une dague, une petite dague de botte. Bah surtout qu'en plus, je crois que visuellement, il y en a sur leur armure, en plus, je crois, au début. Voilà, c'est ça. Non, là, eux, ils en ont pas. Et les archers... Mais oui. Les archers sans carquois, je trouve ça... ultra et débile. C'est même pas des dagues qu'ils ont, hein, c'est des glaives, hein. C'est des épées courtes, quoi. Ils ont des, en général, les archers ont des vraies épées. Que, regarde où tient déjà hérésie totale
le carquois d'Inland sur son armure, enfin le carquois des archers, est sur leur côté. Sur le côté, il n'est pas derrière. Tu sais, normalement, les carquois, ils sont derrière, ils sont refermés et les flèches se prennent par le haut. Les carquois ouverts comme ça, à la guerre et en tant que mercenaire, ça se fait pas, hein. Bah là, surtout qu'en fait, ils se sont pas fait chier, ils l'ont incliné. Mais déjà, techniquement, il est droit et il est beaucoup plus bas. Tu sais ce que ça se fait en botte, dit pas oui. En botte, parce que. Mais qui descend bas, t'as plus qu'à les prendre directement la main. Mais après, si tu parles de la guerre, la vraie, généralement, les flèches, elles sont juste plantées dans le sol et les gars, ils les ramassent dans le sol. Hein. C'est pas faux. Parce qu'ils en prennent, mais... ils en prennent des sacs entiers. Mais tu vois, oui, je pense vois que possiblement pour le jeu, une amélioration possible, j'ai posté sur le Discord, faire un carquois avec des têtes de flèches différentes, tu sais, des têtes qui ignorent la garde, des têtes qui... avec des flèches différentes dedans, genre des déchiqueteuses et tout pour améliorer tes pourcentages de saignement, mais le problème c'est que de base le jeu n'est pas parti dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti dans le fait qu'on fabrique du poison, mais que ce soit des compétences qui t'octroient du poison. Ce qui est déjà une faute grave en fait. En fait, il est parti sur un concept japonais de j'ai une compétence qui fait du poison, donc je fais du poison. Oui, mais tu fabriques pas de poison. Et t'as pas de quoi fabriquer des poisons. Donc tu vois, c'est de base, c'est un peu un problème. C'est un peu un souci. Alors, c'est même pas parti sur du japonais en vrai, parce que tu en fabriques du poison et c'est tes armes qui sont empoisonnées. C'est toutes les compétences qui sont empoisonnées. Oui, mais c'est, ton personnage, je veux dire concrètement, tu fabriques pas de poison dans le jeu. Ah si, j'en ai. J'ai des fioles de poison, j'ai des constructions de poison, j'ai tout ça. Hein. Oui, sauf que ta compétence fait que tu fais du poison sans fabriquer des fioles de poison. Au préalable, ouais, sans en avoir besoin. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais. C'est comme si je disais, bah tu mets un puissant coup de hache, mais t'as pas de hache. Ah oui. Et c'est un peu... c'est un peu dommage. Par contre, on va avoir un souci, mec. En termes de poids. Ouais. de masse de déplacement, j'ai bien compris que c'était un problème. C'est pour ça que j'ai posé un camp et que je l'ai pas levé. Chef cuisinier, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour nous? Des ragoûts de porc. Ah, on pourrait condenser éventuellement un peu de masse. Mais pour condenser éventuellement un peu de masse, il faut déjà qu'on lui change son outil. Va falloir investir. Je pense qu'il va falloir investir dans un nouveau canasson. Pas tellement en fait, hein. En vrai, pas tellement. Parce que t'es en train de me dire, ouais, il faut investir dans un nouveau canafion. Mais on a. Ouais, je pense. Non, en vrai, non. 10, 11, 13. 13 et 15. On se trimballe plus d'une trentaine de marchandises sur nous. On a 31 marchandises. À 7 kilos, mec. Tu vois où est-ce qu'il est notre problème depuis le début? En moyenne, ouais. Non, c'est pas en moyenne, elles sont toutes à 7. Hein. Ah non, t'en as à 10. Ah non, excuse-moi. J'en ai à 10. Et j'en ai 6 à 10 quand même. Hein. 62 masses, oui, bah oui. C'est ah putain, j'en ai 5. À... Ah oui, il y en a quand même plusieurs. Ouais. Ah oui, donc en plus, les plus lourdes, histoire de bien faire, c'est celles que j'en ai le plus, quoi. Ouais. En plus, histoire de bien faire. histoire de vraiment bien faire jusqu'au bout. Donc je pense qu'on va camper sur place. Déjà ça nous refilera quelques points. Ouais, et tu me fileras, tu mettras dans le coffre un truc de marchandise. On va cheater, hein. On va cheater. Ouais, j'ai tiré un petit lot là, alors, 50 kills là, bam. Ou alors on se claque une petite promesse de profit, transport plus 50% après le repos. Bah ça dépend, est-ce qu'on peut atteindre le fameux profit au bout? Oh, bah oui. Ouais. Ouais, c'est 100 de réputation et ça nous donne 50 de... Non mais ce que je veux dire c'est qu'on peut atteindre la ville après le prochain repos ou pas? Ah oui, là carrément oui. Ok. Là on en est pas loin. Bah pas de soucis. À part si on stade de la garde tout le temps, mais ça devrait aller. Ok. Et ben, c'est quand même... ouais. Ah oui, t'as pris la marchandise, ok c'est bon. Non, il faut que je switch la tac en pelle à sel. Et là, on peut aller faire un repos. J'ai déjà mis un bois. Ah, ça ferait plus de charbon si je claque plus de bois. Ouais, bah, plus oui. De charbon. Non, mais je pensais que c'était limité à 1 max, tu vois. Non, c'est limité à 20. Ok. Bon, bah, ça, on va s'en caler dans le buffet. Ça aussi.
Critique augmentée, on va peut-être pas claquer ça maintenant. On va se mettre du poulet braisé. Ouais, le ragoût délicieux, alors c'est bien, mais c'est de la merde. Enfin, c'est... Attends, t'as pas claqué le chou farci depuis le début là? Non. C'est pour ça que j'avais pas tant. Je pensais qu'on avait déjà monté le critique avec le chou farci. Attends, ça veut dire 10% de chance de coup critique supplémentaire sur tout le monde. Alors si, en plus, je te dis une connerie. Ah oui, non, j'en ai utilisé un, mais sur. Ouais, on s'est pas battu. Sur une journée, on s'est pas battu. Et là, on était censé juste se déplacer, donc. Ouais. Non, j'ai pas. Donc, ouais. Ouais, ouais, non. Je pourrais mettre ça, mais on va pas mettre ça. On va se mettre ça et ça. Voilà. Allez, os ça de, régale. Os de bain, 338 d'XP. C'est le boss. C'est juste le boss. C'est... Il nous fait ça 338 d'XP, il nous fait ça 3 fois, il passe de niveau. Voilà. Ah, d'ailleurs, avant de bouger, parce qu'on ouais. veut bouger, mais le capitaine, il est peut-être temps de rééquiper un capitaine, non? Ah oui. Parce que son couteau, capitaine, est mieux que le couteau actuel que je viens de récupérer. Ah bon? Oui. Ah, dur. Bah oui, mais en même temps, le couteau qu'il a sur lui bénéficie de d'huile de force et tout. Ah. On en a plus beaucoup des huiles, hein, il va falloir que j'en refasse. En fait, je perds 10% de critique et je perds 3 de force, mais je suppose que c'est lié au fait que j'ai l'huile dessus, non? Non, l'huile de force est un proc. Ah cas. Oui, c'est un proc, il est pas passif. Ok, alors que le crit est un passif. Donc, le crit, par les contre, boucliers, a... par contre, oui. J'ai gagné un de garde et 14 d'armure. Oh, bah vas-y. Je crois que c'est la même. En plus, c'est le même, ouais, c'est le même shield. Hein. Je change juste pour mieux. Tu peux le mettre dans le. Dans le coffre que je vois sur mon shield, moi. Si jamais ça intéresse. Non, c'est pas ça. Oh, putain, lequel est lequel? Bon, ça y est, je vais m'énerver. Celui-là, c'est le moins bien. dans le coffre. Bouclier et. Le bouclier du capitaine? Non. Ouais, ouais, l'ancien. Et le fauchon du capitaine. Ah, sauf si tu veux qu'on le vende. Le fauchon, non. En vrai... Ah, balancer un 20% de ma force à chaque fois que j'ai été attaqué avec le tank, ce serait sympa, mais je perds 3 de garde. Hein. 3% de garde. Surtout que pour le coup, toi, t'es spé tank. Non. Ah, t'as le grand shield, full ar- Ah oui, après, oui, tu passerais sur un... Ouais, comme Mavig en fait. Oui, ça te ferait comme Mavig, tu remettrais des coups de shield. Bah non, Mavig, elle met pas des coups de shield. Mavig, non, elle renvoie l'armure. Elle renvoie. Voilà, c'est bon, c'est équipé. Ok. Ok. Et je vais les défaire tout de suite, comme ça on a. On a fait la nuit de sommeil, on est plutôt bon. Bah il faut juste qu'on traîne nos carcasses jusqu'au bout. Ouais, allez. Est-ce qu'on prend un point de connaissance sur quelque chose? Parce qu'en fait, on va pas tarder, on génère un autre. Ouais. Le temps qu'on trouve des gens, des trucs et des machins, en fait, on en aura généré un autre. Ouais. La question, Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qui est intéressant à prendre? Dans l'atelier, il y a la civière. Ah, il y a le séchoir à viande en vrai. Un séchoir à viande amélioré? Ouais, on l'a pas. On l'a ouais, carrément. Pas sécher. Ah, c'est pour sécher du poisson. Ah oui, ouais. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose. Ouais. La civière de l'étage, ouais, ça sert à rien, on soigne tout le monde de toute façon avant. Le pilori. Non, le pieu d'empalement non plus, le fouet non plus. Si, vraiment, le fouet, si, tu peux prendre le fouet. Après, c'est juste pour fabriquer, te faire level up, quoi. Enfin, et faire les items et faire du. Et faire de la connaissance, quoi, c'est tout. Mais bon. L'écu acadien, non. Est-ce qu'il y a. Attends, je vais regarder en alchimiste s'il y a des trucs intéressants. Les 7 d'alchimiste en givracier. Ouais, non, honnêtement, je souhaite pas le prendre ce truc-là. Bah, il va falloir à un moment donné. C'est comme moi, là. Si tu le prends pas, ça veut dire qu'en forgeron, je vais aller chercher. Je veux pas le prendre parce que tous nos persos ne sont même pas équipés en givracier. Moi, j'ai encore, avec Zinlen, une armure niveau 6. J'ai. T'as l'arc du niveau en question. De quoi? Oui, non, mais je veux dire... Ah oui, c'est pour les huiles de def que tu parles. Non, en fait, j'ai vraiment, avec Zinlen,
J'ai pas de... J'ai une armure niveau 6. Avec Edenal, j'ai une armure niveau 8. Tirailleuse est bien équipée. Et elle a encore que des renforts du bar, non? Donc, alors attends, Sylviana, elle a... Elle est... Elle est full. Elle est bien. Elle est full. Bien. Enfin non, elle a pas armé. Enfin, son arme et son arme et son bouclier sont évidemment pas du givracier. Mais elle a le casque et l'armure qui sont en givracier. Parce que je sais pas le truc, c'est quoi le bonus dont tu parles en question. Os de Bard, il a que dalle. Il a que dalle. Os de Bard, il a que dalle. Mais bon, c'est normal, c'est un sauvage. Oui, mais il faut... Tirailleuse, elle a l'armure en givracier. Ouais, elle a l'armure en givracier. On peut lui faire très facilement un casque, au passage. Oui, à l'occasion, on pourra lui faire un... Mavig, elle est pareil comme la tienne, elle est givracier tête et torse, quoi. Will, il a l'armure en givracier et la hallebarde en givracier. Mm-hmm. Mais je crois qu'on a vraiment build tous tes gars en priorité parce qu'ils étaient en première ligne, en fait. Ouais. Sophia, son chapeau, c'est l'hérité. Je sais pas si c'est le chapeau. Non, ça va être le chapeau bas de gamme. Ça, c'est un chapeau bas de gamme. Elle a la couillette. Elle a la couillette. Et il faudrait. En givracial. Mélanine, elle a la couillette en givracial, bien sûr. Ouais, on a fait les armes en priorité, de toute façon. Le capitaine, il a rien du tout. Pareil, hein, c'est comme l'autre sauvage, hein, il a rien du tout. Taurus, il a le casque et l'armure. Et la hache. Okay. Et lui, il a 3 pièces. Et Edenal, il a l'arc de givracier. Et il y en a aucun d'entre vous qui a le casque léger en givras? Non. Attends, on n'a jamais forgé le casque en givracier léger? Non. Tu te moques de moi, là. Non, on n'avait pas les compos. Et pour l'instant, puisqu'il va falloir lui changer, il a que la hallebarde en givracier Stivillon. Mais les deux lieutenants sont amenés, enfin les deux lanciers sont amenés à changer. Alors non, il y en a un des deux qui est amené à changer de casque et d'armure. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de givraciers hein, sur la table. Hein. Mmh. Ou pas mal qui doivent changer pour du givracier. Parce qu'après toi, sais pas s'ils vont changer pour du givracier. Mais... Oh si, parce que rien que un truc con, hein, mais pour les renforts, si on arrive un jour à avoir le renfort du faucon. Je sais pas où il est ce con, mais si on arrive à avoir le renfort du faucon, et le faucon colossal, ça ferait que je pourrais augmenter de 18% mes chances de coup critique et de 12% ma dext. Mm-hmm. Alors que là, je suis à 6, avec 2 renforts du barde. Voilà. Enfin bref, allez, on est parti. Est-ce qu'on... Je suis en train de regarder, c'est quoi tes... 50% de chance supplémentaire d'appliquer ces effets. T'es 18 de force de ceinture là. Ouais. Qui se mettent à la place des boucles de rechange pour les armures lourdes, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est chiant, putain. C'est ça. Ouais, c'est que Siliana. Enfin, le problème c'est que pas Siliana, mais Mavig, elle est en lourd finalement. Alors, de ce côté-là, si on arrive à faire le truc que je veux faire, t'auras plus de soucis de déplacement. Ok. Parce que du coup, ça peut être intéressant de proc plus facilement Parce que par exemple, tu prends Os de Bard, il a toujours un truc pourri qui lui enlève un de mouvement et qui lui ajoute 10 de dégâts qui est la corne de teule. Mm. Si moi, par exemple, tu veux prendre ta popo là, de ceinture de force, qui te donne 50% de chance de plus que le force 1 proc, pourquoi pas, par exemple. Ça fait 100%, hein. Après, il y en a peut-être une plus intéressante avec toi, c'est l'huile explosive. Non, l'huile explosive. L'huile explosive qui me donne 50% de chance de faire péter des gars, c'est ça? Boum, 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 boum. L'huile explosive, déjà de base, elle fait, elle inflige 5% de sa santé max à chaque attaque. Sur un os de barde, ça veut dire 100%, tu lui baisses sa santé max de 15% en tout, en plus. Avec l'huile explosive. Ça fait l'équivalent de 15% de dégâts supplémentaires aussi si j'attaque 3 fois. Ouais. De ceinture, on parle de celle de ceinture, hein. Il est concentré. Hein. Oui, le concentré. Avec l'huile explosive à la place de l'huile de force. Parce que l'huile de force, c'est 10% de force supplémentaire. Et là, ce serait 15%. Promptitude, ça fait quoi déjà? Promptitude, c'est. Bah attends, je vais regarder.
Promptitude. L'huile de conversion, on en a jamais fabriqué. Non, il faut ah du oui, miel. Il me manque du miel, putain. J'ai plus qu'un miel sur l'huile, mon... c'est pour avoir de... L'huile de promptitude, c'est pour avoir de la dextérité sur ah oui, c'est de la dext. Ok. Huile de mais blindage... Huile de blindage. Ouais, l'huile de blindage. Et l'huile de blindage, c'est une huile d'armure. Ça... Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, a 50% de chance de réduire les dégâts subis pendant 3 rounds. Ah, oui, gros, ça se porte sur les armes, ok, d'accord. Ouais. Bon, tu vois, ça, ce genre d'huile, elle est un peu what the fuck, hein, mais bon. Et donc, le concentré d'huile explosif, ouais, ça pourrait être rigolo. Mais je baisserai mon chance de coup crit. Non, t'enlèves l'huile de force. Ah, je vais ça à la place de la force, ouais, pas mal. Ouais. Pas déconnant. Et tu peux même mettre ça sur... En fait, faut mettre ça sur des gens qui tapent beaucoup. Tu peux donc, remplacer par exemple... une huile sur l'arme ou pas? Ou t'es ouais, tu peux remplacer. Tu la mise. Non, tu peux remplacer. Okay. Tu choisis par quoi tu remplaces. Et je crois que t'en as même une déjà de base d'huile explosive, j'en avais fait une. Huile vaporeuse, juste de protection. Non, j'en ai pas fait. C'était sur une arme de jet ou je sais plus, c'était sur. C'était Taurus qui faisait des explosions à un moment donné. Oui, c'est ça. Ben, je pourrais t'en faire une huile explosive, c'est pas demandant en ressources. C'est une essence vierge et une poudre d'Alazar. Ok, pour bon, faire à la limite, on se fera ça. Ouais. J'ai pas regardé le temps de la vidéo. 1h16. Salut YouTube. Est-ce qu'on va jusqu'à la ville? Puisque on leur tease la ville depuis tout à l'heure. Non, mais non, ils sont tapés un long combat. La discussion en long, l'argent travers qu'on aurait dû avoir en off. Non, c'est bon. Ils ont donné. Bon, bah, au revoir YouTube. Mais ils aiment pas, ils regardent plus, ils sont plus là. De toute façon, c'est fini, ils sont FK. C'est où la forge là-dedans? La forge. Il y a plus de cherche à mettre du charbon dans notre inventaire. Il y a plus de place pour le charbon, ok. Je crois que ça a été un peu. Bon, voilà, des bisous YouTube à l'année prochaine. Hein. Des bisous YouTube.